restaure les costumes qu'on a fait l'année dernière. Donc on voit encore ces grandes coutures à l'intérieur. Une nacre. Voilà. D'accord. Oui, on brode les arbres. Oui, on brode les arbres. Parce que c'est du fil noir, sur noir, c'est vrai. Ça, j'ai imposé de la broderie d'arbres. D'accord. Ok. Ah oui, alors c'est plus joli, mais c'est pas que ça. Voilà. En plus d'être plus joli, c'est que ça tient beaucoup mieux. Bah oui. C'est-à-dire que là, on va voir ce qui était fait à Varsovie. Alors, je vais bien montrer Varsovie. Mais voilà, eux, ils faisaient comme ça, ils faisaient comme on fait à la maison pratiquement. Oui. Voilà. Et en fait, moi, j'avais vu ça à l'opéra et j'ai dit, mais oui, en fait, c'est bête de ne pas le faire. Parce qu'en fait, ça tient vraiment toutes les boucles et on n'a pas comme ça la grappe qui se détache. Oui, 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 c'est un fil épais. Tout à fait. Le soir, en général. C'est ce qu'on fait sans connaître ça. Mais c'est vrai, quand on voit ça, des fois, on a envie de les découvrir pour les faire. Tout et de faire. Mais l'année prochaine, on aura peut-être le temps. Je vais vous rajouter quelques costumes. Parce que là, cette année, on a rénové cette année dernière. Ah oui. Donc on les a améliorés. Cette année, nous avons fait des perles, des paillettes. On a fait améliorer les costumes qu'on n'avait pas eu le temps de faire l'année dernière. Donc ça passe du temps aussi. Vous avez pas mal de réparations à faire, non? Ah oui, des retouches, oui. Oui, les retouches, des modifications, des réparations, non, pas non. Bon, à part les agrafes comme ça, qui sont pas là, comme j'aime dès le départ, voilà, qui tiennent pas bien. Et en fait, normalement, quand la broderie est bien faite, la grappe tient alors que le tissu se défait complètement. Je vais vous expliquer. Ça reste très bien. Tout le monde ne sait pas broder. On fait par étapes chaque année. Ça demande un petit tour de main particulier. Donc c'est vrai que la Claudine, je sais que je peux lui donner, elles seront bien faites. Bah, j'essaie de les faire J'ai 3-4 bénévoles à qui je peux donner ce genre de petites choses et d'autres qui n'aiment pas du tout coudre à la main. Donc on s'adapte. Oui, en fait, tout le monde s'adapte. Le principal, c'est de s'entendre. Oui, je disais, je veux pas que ce soit le bagne. Souvent, elles sont plusieurs. Vraiment, les robes, un petit noyau. Vous avez vu là-bas, en fait, elles ont été. Bonjour, je suis Bénédicte Poirier, je suis la chef costumière du Son et Lumière à Montfermeil. Et donc, ici, on fabrique des costumes pour la Dame aux Camélias. Ça fait 2 saisons qu'on joue donc la Dame aux Camélias ici. Combien de costumes ? On est à peu près 400 costumes. Chaque figurant se change 1, 2, 3, 4 fois. Et puis on est à peu près 4000 pièces de costumes, chaussures, chapeaux, tout compris. Donc c'est des costumes qui sont d'époque, qui sont fabriqués alors, non. Façon de... Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas dans la reconstitution non plus, ce sont des costumes de scène, c'est pas du déguisement, c'est fait vraiment pour durer, pour être réadapté à chaque personne au fur et à mesure des changements de taille, des changements de distribution. Et on utilise des belles matières, on essaye de ne pas utiliser trop de synthétique, même si bon, des fois ça dépanne. Et surtout, on les fabrique à la façon d'un costume, de scène. Alors voilà. Quelles sont les matières que vous utilisez ? Donc ici, on a de la soie sauvage qui est en dessous, là, la doublure. Ici, ça, c'est de la guipure. Là, c'est un velours qui a été floqué avec des paillettes et de l'encre. Ça, c'est donc la soie sauvage. Ici, on a de l'organza, donc synthétique, celui-ci. En dessous, la doublure, c'est du satin synthétique. Et là, c'est un taffetas acétate avec un petit flocage de velours. Voilà, et le bas, forcément, on retrouve la soie. On utilise aussi des plumes. Voilà. Naturelle. Oui, plumes naturelles. Beaucoup de récupération. On a la chance d'avoir beaucoup de dons de bénévoles ou de personnes qu'ils connaissent. Donc, on fait de temps en temps des appels aux dons, notamment pour faire les crinolines. On a eu besoin de beaucoup de vieux draps pour préparer les jupons, parce que ça prend beaucoup de métrage. Et puis après, on fait le maximum pour faire des jolies choses avec des petits bouts. Donc ça, c'est les plus belles robes, Ça, ce ne sera pas les plus belles robes, il y en a une très jolie qui est à Marguerite un peu plus loin. Par contre, les robes des rôles principaux sont beaucoup plus travaillées que les robes de la figuration, parce que la figuration sert d'écrin en fait à nos rôles principaux. Donc les robes des femmes, forcément, Prudence, Marguerite et Olympe, sont beaucoup plus chargées. La robe de Nanine, qui est sa dame de compagnie, est très simple, c'est une robe noire, un peu une robe de bonne. Il y a toujours la crinoline en dessous, elle change de col, donc vous avez des cols ici. Là, puisque Nanine, pour pas avoir tout le temps la même robe, a un col à chaque acte différent qu'elle rajoute sur sa robe noire. Et là, on voit le mouchoir que Nanine tend à Marguerite à chaque fois qu'elle tousse. Les perruques, ça, c'est votre rayon aussi, non ? Alors, les perruques, c'est moins mon rayon. Les rajouts dessus, oui, c'est mon rayon. On a une bénévole qui les coiffe très, très bien, qui s'appelle Ingrid, et qui nous prépare les perruques. Donc, chaque bénévole garde sa perruque d'une année sur l'autre. Les perruques sont étiquetées pour pas qu'il y ait de mélange et pour des questions d'hygiène aussi, tout simplement. Et ensuite, on rajoute les coiffes dessus, et les coiffes sont cousues pour des changements plus simples, en fait, pour éviter qu'à chaque fois, elles se recoiffent en plus.
en plus de remettre la perruque. Donc ça, ce sont les masques de nos arlequins. Donc on a des arlequins sur le spectacle qui font l'ouverture et qui sont une sorte de fil rouge sur toute la durée du spectacle, ce qu'il n'y a pas du tout dans la Traviata. Hein. Ça, c'est un rajout de notre metteur en scène. Et ils ont été peints à la main par Jean-Jacques Lecor. Ce sont des vrais masques vénitiens et chacun a son petit caractère. Donc en fait, chaque arlequin a sa propre visage. C'est très beau, oui. Donc ici, on a des coiffes de Prudence. On voit la coiffe avec le vert là, qui correspond à cette robe-ci. Oui. Donc savoir que Prudence est modiste et nous, on le dit dans la bande-son, c'est qu'elle fait des chapeaux horribles. Il n'y a que Marguerite qui lui en achète. Donc on a fait des chapeaux très exubérants puisque Prudence n'est pas du tout dans le raffiné. C'est pour ça que ces robes sont chargées et très voyantes. Ensuite, là derrière, vous avez des chemises, toute notre petite réserve en cas d'accident, justement ce que vous me demandiez tout à l'heure. On a un peu de réserve quand même, un peu de changement. Et puis il a fait très chaud l'année dernière, donc chacun a eu une chemise par soir quasiment. Sachant que chaque figurant en rôle principal est aussi un figurant noyé dans la masse, un soir sur deux. Mais souvent, ils portent la même robe. Parfois, on est obligé d'en rajouter une différente. Donc là, on a les nanines aussi. Et puis, donc là, ce sont des courtisanes. Voilà, là, on a deux portants d'hommes. Donc, vous voyez, on a un évêque qui se promène dans le parc au moment de l'accueil du public. Et puis, on a tous ces jolis chapeaux. Donc ça, par contre, les chapeaux... En fait, c'est le nom des figurants. Et après, ils savent quel rôle ils jouent. Donc, par exemple, ici, on voit Fouquet-Luc, acte 1. Donc, il est Varville B. Donc ça, c'est la distribution B. Acte 3, il joue Varville B aussi, Carnaval et Salut. Comme ça, il sait dans quel acte il joue. Gérard, lui, il fait acte 1, acte 3, carnaval, et acte 4, il est huissier, A et B. Voilà, chacun sait ce qu'il doit faire normalement, mais ça, c'est un petit rappel.